Le deviner, si la petite machin, l'hiver arrive bientôt, mais malheureusement on n'a pas de contrôle sur cette chose là si jamais malgré tous les efforts que vous faites pour s'attraper un rhume, une grippe, une toux, c'est pas grave, je vous présenterai ici en quelques minutes un petit remède de grand-mère que vous toutes certainement vous connaissez mais qui fait toujours recette. Donc sans plus tarder on va y aller. Vous avez besoin de quoi pour ces éléments? Vous avez besoin de gingembre, donc voilà. Donc bon, le mien, je le râpe, hein. Donc je le râpe comme ça, en petit, c'est des petites lamelles de gingembre en fait. Donc je râpe. En fait, beaucoup de gens aiment bien le citron jaune, mais moi je préfère le citron vert parce qu'il est un petit peu plus agressif. Et du coup, vu que on soigne quelque chose, franchement, n'hésitez pas à prendre plutôt du citron vert. Du gingembre, hein. Comme ça, émincé, en fine lamelle. Donc vous l'épluchez, vous l'émincez. Donc pressez bien le citron, donc votre citron vert, et ben voilà, juste pour enlever les pépins, mais je vous déconseille de vous servir d'un presse-citron. Ensuite, ben, vous rajoutez du miel, et si vous avez de la gelée royale, c'est 1000 fois mieux encore. Donc voilà, miel suffisant d'envoyer, j'en mets 7 ou 8 cuillères. Donc en même temps, ce que je prépare, c'est carrément pour une semaine, quoi. Donc, vous en prenez autant que vous voulez, tout le temps qu'on... Comme je vous ai dit, c'est préventif aussi. Donc vous n'avez pas besoin de, voilà, d'avoir froid, d'attraper pour... Donc voilà, c'est fait. Hein, j'ai ma mixture. Et... Donc on va monter. Ça cartonne. Wow. Vous n'avez pas idée. Bon, mais bon, je précise que c'est pour la bonne cause. Donc pour ceux qui ne sont pas malades, mais que vous avez tout de même peur, peut-être parce que vous êtes confronté à, je sais pas, vous travaillez très tôt, vous commencez à 17h vers 5h, ou vous commencez très tard, ou bref, hein, n'hésitez pas, c'est aussi préventif. Je suis désolée, on ne vantera jamais assez les bienfaits du gingembre, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse parce que n'oubliez pas, Marima, ouh, ça va chauffer ce soir, mais vous n'allez pas aider. Marima, costaud. Ah, pourquoi Marima? Pourquoi cette chanson? Eh bien, c'était une chanson des séries télé quand j'étais petite. Je suis sûre que ceux qui sont de 80, 90, jusqu'à 92 se souviennent de cette série. C'était une série télé. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Marima, costaud et casseau.